Salut le monde! Alors aujourd'hui, que faire avec une capsule de café vide? Vous avez certainement déjà vu des bagues, des colliers, des choses comme ça réalisées avec ce genre de choses. Alors pour ma part, dans le scrap, je les récupère, comme vous avez pu le voir certainement dans ma page, si vous avez consulté mon blog. Je l'ai apposé ici, en dessous de la petite paire de gants en bois. Je m'en suis servi en fait comme embellissement. Donc celui-ci est vert. Ensuite, je m'en suis servi également pour une carte cadeau. Donc je vous montre pas l'intérieur parce que c'est pour offrir très bientôt. Mais je vous montre l'extérieur. Et là, cette fois-ci, je m'en suis servi comme cachet de cire. Vous ne le verrez peut-être pas à la vidéo, mais le rendu est vraiment très 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 sympa. Et donc voilà, en forme de cachet de cire. Je vais l'approcher un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et ensuite, j'avais une vieille paire de tongs que le dessus et la petite fleur étaient un peu abîmés sur l'une des deux et bon, ça m'embêtait franchement de jeter la tongue étant donné que la semelle n'avait pratiquement rien. Et donc j'ai eu l'idée en fait de mettre un aimant de chaque côté, donc un côté sur la tongue et l'autre sur la capsule. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc, j'avais déjà fait l'autre chaussure auparavant. Voilà le rendu. Et ce qui fait qu'au gré de mes envies, de mes tenues, je pourrais changer et mettre. Bon, celle-ci n'est pas faite, bien sûr. Mais je pourrais mettre bleu, vert, enfin, les couleurs que je posséderais, évidemment. Et donc, voilà. Je pense que le rendu est plutôt sympa. Ça tient bien, peut-être qu'à la longue ça tiendra pas, mais je pense que pour le moment ça me convient très bien. Et donc pour pas cher, pour 3 francs 6 sous, voilà une nouvelle paire de tongs customisée et qui fera très bien l'affaire pour cet été. Voilà. Si vous aussi vous avez des idées avec ce genre de capsule, n'hésitez pas à nous les faire partager et de nous montrer vos réalisations éventuellement ou les objets que vous aurez créés avec. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!